Merci Bruce, mon vieux. Voilà quelque chose que je n'ai pas compris, comment les gens ont pu abandonner cette richesse. Taxi Bruce, on s'est amusé. On s'est amusé avec ce blanc, avec son équipe de comment il s'appelle, Baba Oulou, de Claude Balogun, de Brice. Ils sont trois, je crois. Et ces trois-là ne pouvaient pas s'entendre pour maintenir cette maison debout. Oh, j'en suis malade, moi. J'en suis malade. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Oui, je connais mon boulot. Ce salaud de Tibenda qui me laisse tomber. Je ne vous ai même pas fait mal. On ne parle pas comme ça au président de la République. Bon, envoyez. Vous aimez les films d'horreur? Ah oui, c'est une vieille cassette. Ça vient du Miseria. Ils sont vraiment forts. C'est tellement réaliste. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Je crois qu'il a un petit malaise. Espèce d'abruti. Je t'ai dit de ne pas l'abîmer. Il faudrait quelqu'un pour le réanimer. Tu as la chance. J'ai un médecin ici. Je l'envoie tout de suite. Et toi, viens ici. Amène-le à la cave immédiatement. Je suppose que je n'ai pas le choix. Bango, tu m'écoutes? J'espère que tu n'as pas fait une grosse connerie. Bon, le médecin arrive. Dès qu'il aura réanimé Fox, tu l'élimines. Tu n'as pas le choix. C'est Fox. Mais qu'est-ce que tu fous? Qui s'occupe de Fox tout de suite? Il va s'en occuper. Mais je prends d'abord toutes mes précautions. C'est moi qui prends tous les risques ici. Mais non, bon sang! Il n'a qu'à s'occuper de Fox tout de suite! Il revient. Ça y est. Mais il est revenu. Je ne vois rien. L'autre est devant. Toi, si tu me caches la vue. Il est revenu, je vous dis. C'est bon. Je fais ce qu'on a dit. Je vous appelle juste qu'est-ce après. Alerte! 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 Tout le monde à la guerre! La guerre!
Taxi Bruce, c'est une beauté. C'est une beauté du cinéma audiovisuel au Bénin. Je ne sais pas. Les belles choses meurent comme ça dans ce pays. C'est comme ça, on fait du coton et l'usine. Coteb du Paracou meurt. Citex et Citex, Coteb. Tout ça meurt et on produit du coton. C'est comme ça ce pays. C'est normal. Les amis, c'est normal. Taxi Bruce, n'en parlons plus. Même à l'OETB, vous n'avez pas les copies de Taxi Bruce. Quand même. Ah non, ça, si vous pouvez aller puiser, rechercher ces archives et les remettre sur les rails et faire voir ces choses aux Béninois. Parce que vous voyez, bon, on a Isma, tout ça, mais remettez ces choses. Film blanc, Yovo. Non, moi je suis comédien, je suis, mais je ne comprends jamais les films des blancs. Ce n'est pas ma culture. Hein? Essayez de remettre ces choses-là. Hein? Prenez Taxi Bruce, trouvez le blanc, trouvez ces cassettes-là. Mettez, vous voyez, les rois de Ségou. Prenez, on ne peut pas faire ces choses-là et les vendre. Garçon, je le regretterai. Soyez mieux que Tibenda. C'est de la sorcellerie? Obango, vérifie! Alors? Alors? Rien. Il est mort depuis 2 heures. C'est faux. Je ne le crois pas. Mitraillez-le! Vous m'entendez? Mitraillez-le! On risque de nous entendre. Tirez, je vous dis. Militaire en cours. Vous me demandez ce qu'on va faire de Fox quand on va l'attraper. On a des tribunaux militaires. On a des lois contre la trahison. D'ailleurs, il n'y a pas que Fox. Il y a aussi tous ses complices. Vous savez comment faisaient les Français pendant la guerre de 14? 12 balles pour les traîtres. Et pour les demi-traîtres, 6 balles seulement. Selon l'état-major général des armées, l'étau se resserre au-dessus du fugitif et sa capture ne serait plus qu'une question d'heure. Ça,
Kofi. Ah, papa. C'est vous? Et la santé? Ça va. Et chez toi? Oh, on est là. Rien de mal. Et l'enfant? C'est pour bientôt, s'il plaît à Dieu. En tout cas, j'ai fait tous les sacrifices. Je suis venu pour te rendre compte. On a fait le film. J'ai un terrible producteur. Oh. Vous savez, Pobli Joseph, paix à son âme. Son dernier film. Je dis que Pobli, c'est mon enfant. Il est rentré dans ce métier par ma ferveur, par mon dynamisme. Le dernier film sur lequel il a été scénographe, c'est ce film-là. On joue, moi j'étais parti et à Abuja, représenter le Bénin pour les 35 ans ou bien je ne sais pas, de la CDAO. Je reviens, le marché était prêt, je fais tout. Je dis, bon, tu me fais, c'est ton métier. Il fait et il met en juin. Oui, on a fait ça. Où se trouve le film, je ne sais plus. Mais il y a des choses, quand vous allez les chercher dans les archives de l'OITB, on ne les voit plus. Je ne sais plus si moi-même, en tant que je me suis battu pour... je me suis attaché au monsieur qui m'avait fait les copies et j'ai pu avoir une copie de ce film. Je me suis demandé s'il n'allait pas aller présenter ça au FESPACO. C'est un beau travail. On ne se félicite pas, mais je me félicite. Parce que je suis auteur de l'écriture, un peu metteur en scène. Et puis il y a le réalisateur, les techniciens. Je suis resté à côté d'eux. On a sorti ce travail. J'ai été payé, bien payé. Le directeur ne m'a pas pris un seul franc. Moudjaï, ou bien comment il s'appelle? Souman. Oh, il a été fantastique avec moi. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, nous, on n'est pas arrivé à ces choses-là sous forme d'entreprise, ni pour l'argent. Nous sommes arrivés là par passion. Le seul art qui me nourrit jusqu'à présent, c'est l'art plastique. Le drame, on ne peut pas faire ces choses, quelle que soit votre passion, quelles que soient vos volontés, vous n'allez jamais arriver si votre état ne s'y mêle pas. Regardez comment on se bat pour le football. Mais l'État ne s'y mêle pas. Il faut que l'État doit pouvoir comprendre. Comme je l'ai dit encore à l'actuel ministre de la Culture, je dis votre place, c'est comme ça. Quand on dit président de la République, on dit ministère de la Culture et de la Souveraineté Nationale. Vous êtes assis à sa droite. Ce n'est pas le ministre du Développement qu'on doit voir là. Nous n'allons pas produire du pétrole. Mais notre culture, c'est ça, notre souveraineté. Et c'est quand l'État va comprendre. Et je ne sais plus quel État peut comprendre. Parce que l'État dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, le régime, lui, il a descendu de 5 milliards à 2 milliards 400 et à 2 milliards. C'est-à-dire dans ce Bénin-là, c'est dans la culture seule qu'on réduit les fonds. Alors, c'est-à-dire que même quand les gens ont la passion, quand tu fais... et que ça ne te nourrit pas, et tu finis par avoir une femme, un enfant, mais tu cherches ailleurs, hein. Mon frère, il faut être un toqué comme moi pour rester, si j'avais 50 ans, tel que je suis parti faire encore cela en novembre dernier, je ne viendrai plus. Que faire? Ce n'est pas dans la main des artistes. Nous en avons, et avoir leur ferveur, leur engagement, on ne peut pas dire qu'ils ne font pas. Parce que ce que tu fais, tu prépares quelque chose aujourd'hui. Personne n'a acheté. Tu ne peux pas te perfectionner. Hein? Consommons les choses de chez nous. Et nous aurons la performance. Et pour avoir cette performance, dans tout ce qui est dans ce Bénin, qui achète le plus? C'est l'État. Mais quand l'État ne consomme pas la culture, ne consomme pas les arts, comment ceux qui sont dans le secteur peuvent évoluer? Ce n'est pas possible. L'État peut commander des ordinateurs, des voitures, il achète tout. Et il paie ça à gros prix. Mais il n'est pas prêt à payer sa culture. Et le drame, aujourd'hui, allez sur Internet, prenez YouTube, vous allez voir tous les arts, toutes les musiques du monde que vous pouvez télécharger. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez que, de quoi l'artiste va vivre?
Bibédra, Bibédro, tout ça là, c'est des histoires. L'État doit consommer l'art béninois, la culture béninoise, pour faire tourner le tourisme. On ne doit jamais mettre le tourisme avant la culture. Ceux qui y croient, qu'ils continuent d'y croire. S'ils ne trouvent pas à manger, qu'ils s'exilent. Moi, je suis comme... je suis pris par le sida. C'est ce sida, art, culture, qui va m'emporter. Je n'ai pas d'autre. L'histoire fera le reste. Dans le cadre du projet de l'Institut, j'ai dit, au lieu de demander de l'argent pour construire l'Institut, vous voyez, dans nos traditions ici, quelque chose t'arrive, tu as une parcelle, tu vends. J'ai dit, bon, moi j'ai des œuvres, je veux les vendre, que l'État me les achète pour que je puisse construire l'Institut. Donc j'ai voulu que la présidente de la République m'organise une exposition, invite les ministères. J'imagine, sur 20 ministères, hein? Un ministère, chaque ministère m'achète 5 millions d'œuvres. 20 ministères, je suis à 100 millions. Moi, j'ai déjà mon institut. Mon esprit, c'était ça. Mais on n'avait plus voulu, avec le dernier mouvement politique de présidentiel, bon, on a enlevé la partie chaude là, et le 31 décembre 2015, on m'a accordé 15 millions pour organiser une exposition. On m'aurait donné les 15 millions là, l'institut serait en embryon. J'ai fait l'exposition, j'ai invité 300 personnes. Il n'y avait personne. Tout le monde était dans le maquis politique. La personne qui est venue encore à cette exposition, c'est le président de l'Assemblée, Adrien Rumbudji. Il a quitté une campagne présidentielle et il s'est pointé au Palais des Congrès avec son équipe. Après, la personne qui m'a séduite, c'est l'ambassadeur des États-Unis, une femme. Elle aussi, elle est venue. Même le ministre de la Culture, d'alors, qui a ouvert l'exposition, il n'a même pas acheté un seul tableau. Les amis, on est où? Tu demandes aux autres d'acheter. Toi-même, tu n'achètes pas. Ce n'est pas ton argent. Hein. J'ai envoyé dossier au DAFA, au DRFM, au directeur du fonds d'aide, Niette. Même pas un seul tableau. Donc, voilà un peu. J'ai fait un beau catalogue. Heureusement, c'est ça qui est resté. Bon, l'atelier, c'est l'atelier sur la scénographie, je crois. J'avais une douzaine d'acteurs. Et puis, c'est-à-dire, je voudrais leur montrer. J'ai pris les élèves à défaut d'enseigner directement. Et en 5 jours, on a fait un travail et qui a abouti à une mise en scène où tu prends n'importe quel livre, tu lis et je l'ai enseigné l'écoute. Et tu vas croire que c'est une pièce écrite. On a fait la mise en scène, on n'avait même pas de lampe, on a lu des lampions, des torches chinoises là, ainsi de suite. Et on a fait le travail. C'est là en audiovisuel. Donc vous voyez, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de grand-chose. Quand vous avez la compétence, la technicité, plus la volonté, si vous êtes accompagné légèrement, financièrement, vous allez arriver. Bon, 3 documents. Vous voyez ici, curieusement, je suis devenu auteur. Ça s'appelle Culture, Développement, Démocratie au Bénin. Quand le président Yahya est venu au pouvoir, j'ai suivi tous ses discours. Mais nulle part, je n'ai vu la place de la culture. Ça m'a fait pleurer. Et après les pleurs, voici les larmes. C'est édité par moi-même. Je suis là, comme je vous l'avais dit, quand on essaie à Danzouno, après le FITEP comment on l'appelle, Ousmane Alégui, c'est encore lui qui m'a dit que Lara Production fait des livres. Donc il m'a introduit là-bas et on a produit ceci en 500 exemplaires. Je vous assure que depuis 1 an ou 2 ans, on n'a pas vendu 25 exemplaires.
Qu'est-ce que moi je vais dire? Je suis là, avec l'arrivée de la rue, quand le ministre Ang Junkwe a commencé par s'agiter autour du fonds d'aide, ça m'a inspiré ce livre. Parce que quand vous ne montrez pas à l'État l'intérêt qu'il a investi, qu'il a investi dans les arts, les économistes, les financiers, croient que c'est de l'argent perdu. C'est pourquoi j'ai mis à Tchakoudi, c'est-à-dire que je vous entretiens comme ça. Je ne veux pas rentrer dans une formule des livres classiques, non. À Tchakoudi, et je l'ai appelé à Tchakoudi, je vous parle de l'art, de la culture et du tourisme, mais en donnant une vision économique. Moi, Kofi Gao, donnez-moi 120 milliards, hein, et laissez-moi la culture, hein, pour 2 ans. Si je ne vous sors pas, hein, 200 milliards, en retour, coupez ma tête. Je donne ma tête à couper. Je ne suis pas politicien, hein. Je parle techniquement. Je vais remuer tout le Bénin en 3 mois. C'est technique. C'est de l'expérience. Et celui qui vous parle s'appelle Kofi Gao. Je ne dis pas n'importe quel mot. Je ne fais pas des discours plats. Non. Mettez-moi à l'épreuve. Je vous sors ça. Je vais recruter des animateurs culturels, pas communes. Je mets de l'argent à la disposition de la commune. 3 mois après. Chaque commune, 6 mois après, doit présenter un festival. Nous allons consommer local. J'ai vu plein d'émissions sur BB24. Nos chercheurs à l'université, quand ils finissent, c'est de la culture. Prenez les documents. Quelqu'un vend du poisson, il commande les poissons. Mais s'il veut faire de la politique et diriger ce pays, il n'a qu'à mettre 1000 piscicultures au Bénin. Imaginez le nombre de personnes qui font travail. Les poissons qui sont dans les piscicultures, il a des champs froids, il les met dedans, il vend du poisson. On n'a plus besoin de commander du poisson. Moi, je vous rassure, dans mon livre, j'ai demandé 120 milliards. Pas pour mes poches. Vous faites tourner la culture pour que le Bénin devienne un pays souverain. Merci, toi. Merci. Le seul qui m'a encore acheté ce livre, c'est le ministre des Affaires étrangères. Le dernier? Celui qui est là. Non, le dernier livre. Oui. Et j'ai dit, vous m'achetez un livre. Je vais vous donner un du livre que vous irez remettre au chef de l'État. Il m'a dit de dédicacer ou bien comment. Et j'étais avec Joshua Gratien. J'ai mis un petit mot. Hein? Ce livre, le ministre des Affaires étrangères, comment il s'appelle? L'actuel. Hein? Agbenossi. Agbenossi. Vous savez ce que s'appelle Agbenossi? L'eau de vie. Agbenossi. Hein? M'a acheté. Il m'a reçu le 4 janvier 2018. Il m'a acheté ce bouquin à 12 000. J'ai dit, si vous m'achetez ce bouquin à 12 000, je vous remets un de ces livres. Vous irez remettre ça au chef de l'État, de ma part. Quelques instants après, il m'a retourné le second livre. Il dit, j'achète. Il m'a dit de mettre un petit mot. Avec Joshua Gratien, nous avions trouvé le petit mot. Maintenant, tout ce que je ne sais pas, est-ce qu'il lui a remis le chef de... Mais je suis sûr, je parie qu'il lui a remis. Le président de la République ne m'a même pas dit merci. Et je lui ai déjà envoyé 5 lettres. C'est pas encore tard. C'est tard. Je passe 40 ans, moi. Je suis dans ma 11e année. Pour moi, c'est tard. Même pas. Oh, monsieur le ministre des Affaires étrangères, dites-lui merci de ma part. Même si je n'ai pas, c'est-à-dire que le pouvoir d'avoir son petit mot directement par l'intermédiaire qui lui a fait aboutir. Oh, j'ai reçu votre livre. Merci. Ok. Merci, Douane. Voilà le pays dans lequel nous nous trouvons. Vous croyez que vous allez faire avec ça, vous pouvez boire? On va vous envoyer un chèque.